Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein de Total Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Saga Throne of Britannia pour l'épisode 7 avec notre campagne avec le roi Flancina de Mid pour le 7ème épisode. Donc la dernière fois nous étions arrêtés avec la prise de la province complète du Leigen. Donc là je vais devoir faire des bâtiments de conversion et je vais essayer de terminer un des vassaux de Dublinois qui est le Wexford. Comme ça on pourra consolider nos positions ici. Il faudra aussi que je m'occupe de Waterford ultérieurement, mais je pense qu'il va commencer à se faire manger progressivement. Ah, ici intéressant, des rebelles irlandais à Lismore, c'est bon à le savoir, ça peut être utile. Et du coup, on a deux armées complètes qui sont à la frontière du Wexford pour s'en occuper rapidement. Et il faut se méfier aussi du Dublinois au nord avec sûrement une armée dans l'île. Donc là, je n'ai rien à faire, je vais passer le tour. Et je vais essayer de dire à mon vassal d'attaquer son île de Dunaberté en Écosse, comme ça ça va l'occuper un peu. Donc on va passer le tour. Alors Gwynedd, qu'est-ce qu'ils font en Irlande, j'allais dire au Pays de Galles. Il y a aussi un des Irlandais qui est au Pays de Galles, je crois en plus. Donc là on va essayer de récupérer un maximum de territoire rapidement pour être tranquille. Essayer de se reformer une armée ou deux pour calmer tout ça. Mais là j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de factions sur le puits rouge. Oh, ça c'est pas cool ça. Alors le Wexford. Ah, là je vais prendre des pertes, mais bon je vais me reformer rapidement. J'ai qu'un lancier là. Alors, je vais déjà combiner des lanciers entre eux. Hop. Toi. Ce sera parfait. Comme ça, on en aura déjà trois qui seront un peu opérationnels. Et au prochain tour, on va se rendre sur le Wexford. Normalement, il peut pas prendre deux villes avec l'autre. Et là, je vais dire à l'armée de Connor d'attaquer Laterna pour récupérer la province pour nous. Parfait. Oh, mais ils sont en train de s'établir en Écosse. Bah, c'est bien, établissez-vous là-bas, ça m'arrange. Mais lui, j'espère qu'il va pas attaquer Dunsiobergis. Ça m'arrange pas du tout, sinon. Donc là, je vais devoir reconvertir ça. Je vais vérifier où j'en suis, niveau renommée. J'aimerais faire la victoire conquête avant la renommée. Bon, ça va, je suis plutôt bon. Je pense que la victoire militaire, là, on est à 6 provinces. Donc là, il nous en restera plus que 5. 4 avec la prise de la dernière cité. Ça devrait être bon. Et il ne nous manquerait plus qu'à unifier 2 provinces de plus sous notre commandement. Mais là, il nous faut les sous. Ça, c'est ça le souci pour du moment. Hop, je vais passer le tour. Il reste en Écosse, hein, je crois qu'on fait de l'expatriation, hein. On veut pas de vikings, on veut pas d'autres Irlandais, il n'y a que le royaume de Mid ici, n'embêtez pas le monde. Donc la dernière armée Waterford, j'ignore où est-ce qu'elle est actuellement, et ça m'embête un peu. Mais si j'arrive à annexer mon vassal, là, ça pourrait donner de très bonnes idées. Parfait. Donc Clearsen, général. On va lui augmenter la portée. Alors c'est quoi le bonus? Je crois que c'est plus de ravitaillement. Ça on prend. Et Paul Cobart et un gouverneur. On va te mettre plus de... J'ai oublié le nom. Enfin plus de scribe. Du scribe tout, on va dire. Comme dans Styrix Oblique Mission Cléopâtre. Là. Hop. Je vais commencer à faire des armes de siège à gogo. Et lui, on va le ramener en soutien également. Je pense que je vais pas vous faire peut-être pas de bataille avec Titrix dans cet épisode. Donc on va laisser s'affaiblir un peu, histoire qu'ils comprennent un peu qui c'est les patrons. Après, il nous restera Waterford à détruire. Mais le problème, c'est qu'il faudra passer par là. Et ça, c'est un peu compliqué. Ordre public bas à Brega. Donc là, il faudra que j'améliore la ville pour faire un bâtiment d'ordre public pour calmer tout ça. Ensuite, alors, c'est où que j'ai perdu l'eau? Donc là, c'est dans le comté du Connacht. Je vais reformer une armée là-bas. J'ai déjà la préparée.
25 coups de recrutement pour les archers. Ça, toi, tu pourrais faire un bon gouverneur. Oh, ça c'est bien. Moins 25% d'entretien pour la cavalerie. Donc là, je vais préparer ça déjà. Et je vais passer le tour et on ira prendre Wexford. Je pense qu'avec les deux armées, ça devrait largement suffire. Peut-être que je prendrai des pertes, mais bon. Et j'ai oublié de déplacer mon armée dans le nord. Mince. Vraiment, Dublino, je sais pas, on voit plus une de ses armées. Peut-être du fait qu'elles sont en Écosse, peut-être qu'on voit pas ça. Ergale, qui est maintenant gallois, c'est marrant ça. La victoire nourrit mon pouvoir. Ah, il s'est barré. Bon, vous savez quoi, on va pas la faire. Vu l'avantage qu'on a, on récupère Wexford pour nous. Ça met un vassau de moins au Dublinois, donc il perdra des revenus. Aucune unité n'est perdue, ce qui est plutôt intéressant. J'occupe la cité, je récupère 10%. Ah bah, voilà, il est pas content. Donc là, je vais me replier là. On a deux niveaux de plus. Alors, recherche technologique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, en civil, qu'est-ce qu'on peut débloquer? Je vais faire ça, tiens. L'irrigation pour gagner un d'ordre public dans toutes mes provinces. Ça peut être pas mal. Toi, tu te replies ici. La perte de son vassal a dû faire mal. Hein. Alors, Wexford, on va faire ça, ça et ça. Deux niveaux de plus. Alors, gouverneur, augmentons ta puissance de scribe. Général, augmentons ta puissance de quartier-maître. On peut y signer un nouveau gouverneur. Alors, qui c'est qui a le moins de loyauté? Alors, Wexford, toi. Bah écoute, je vais te mettre là. Je te le propose. Ah, je peux encore en assigner un? Ah oui, je l'ai oublié là-bas, mince. Donc là, tu gouvernes déjà le Wexford. Toi. Parfait. Donc toutes nos provinces sont gouvernées pour le moment. Ah, et l'autre qui est déjà en train d'assiéger, ça m'arrange pas. Bon, au pire, il aura la province. Donc là, les Fianna, je les ai améliorés direct. En prêteur Fianna. Ah, c'est dommage là. Là, il y avait un coup à jouer, on pouvait gagner la province. Bon. Peut-être qu'il va se casse faire casser les dents, je sais pas. Et je vais essayer de me. J'ai peut-être une idée. Je vais me rapprocher et au moment où il va attaquer, je l'aiderai pas. Comme ça, je pourrais récupérer la ville derrière. Alors. Tu veux la paix ou pas? Non, tu veux pas? Bon, bah tant pis, hein. Alors, on va reconstituer nos forces déjà avant le prochain conflit. Mais si on arrive à Waterford, ça serait parfait quoi. Bon, là, cette armée se forme, mais bon, vu son état, ça va être un peu long. Il va falloir bien déployer mes armées pour s'occuper de cette menace grandissante. Alors, réputation diplomatique intimide forte, ok. Donc là, il faudrait que je récupère ces trois-là. Ça me ferait un bon territoire. On va passer le tour. Donc espérons qu'il ne s'empare pas de Doumsebourigi. Parce que là, ça va m'embêter sinon. Donc ok, vous détruisez un des vassaux, Dublin annexe les autres. Ok, ça c'est bon à savoir. J'aimerais bien demander un accès militaire à Casim, mais je pense pas qu'il voudra qu'on se le dise. Alors, ouh, il y a des armées qui se ramènent en masse ici. Inondation, où ça? Ah! Là, ça embête en plus, c'est la capitale. Donc j'ai pas les fonds là. Gouverneur, plus d'argent. Ou alors je passe par la mer, mais j'ai peur qu'il m'intercepte. Bah, je vais faire ça, tiens. Je vais tenter de passer par la mer, je vais pas traîner.
Et on va accoster bah, ici. Alors Waterford, faire qu'il n'y a pas une grosse garnison, ça va, il n'y a personne. Lui, je vais le ramener à Wexford. On gagne des unités qui peuvent gagner des bonus d'équipement. Est-ce qu'on a les moyens pour tout le monde? Le nouvel entraînement, déjà on va faire ça. Améliorons notre infanterie. Nos haches. Ce sera pas mal pour débuter. C'est grâce au port viking, ça c'est cool. Et on fera un assaut sur eux. Bon bah, ça c'est fait. On va le chasser. C'est le Dubinois qui rétablit un royaume en Écosse. C'est suffisant. Donc on va juste le chasser de Wexford et on n'aura plus besoin de s'occuper de lui. Et il nous restera plus qu'une grosse menace à gérer, entre guillemets, à savoir la coalition Kaizil, Tuaduma et le vert là, qui s'appelle Desmuma. On a trois armées, je pense que ça devrait être faisable. Et on passe le tour. En tout cas, la campagne elle avance bien, là c'est assez intéressant. Nous acceptons de cesser non. Tant que tu auras Waterford, la paix sera impossible. Il faudrait demander un maximum d'argent. Ah bah, oui, vas-y, fais ça. Essaye de t'emparer de la ville. Ah, il est en guerre avec l'autre, ok. Donc, ingénieur de siège, moins 10% d'entretien, hop, on gagne un peu de sous. Et si je bloque le port, ça passe ou pas? Oh oui, ça passe là. Allez, pas besoin. Tant pis. On occupe. Et voilà. Waterford est sous notre commandement aussi. Je pense que là, il est peut-être temps de faire la paix avec ce monsieur de Dublin. Hein? T'en dis quoi? La durée de votre séjour ici va dépendre de vos propos. Cela parfait. Et hop là. Ouh, une armée complète ici déjà. 4 archers, 4 fantassins, j'ai que 2. Je vais peut-être recruter une troisième hache. On n'est jamais trop prudent. Alors deux tours, on a quoi? On fait de la technovissile, je me souviens, j'allais déjà oublier. Ça pourrait être bien, mais ça augmentait le coût d'entretien de nos archers. Mais j'avoue que le 15% de dégâts et... Enfin, le 15% de portée pour les unités, ça peut être intéressant sur un archer. Il a combien de portée? 150, donc 15%, donc 10%, ça fait 15, 165. Il aurait 172 de portée, ça peut être pas mal. Ouh, il a une armée de vétérans par contre, attention à lui. Il faut que je règle le vassal avec celui, je sais pas ce qui mijote, mais attention. Et j'ai une armée au nord qui ne fait rien, maintenant, du fait que c'est sécurisé. Du coup, ce que je vais faire, je vais commencer à rapatrier cette armée vers du sud pour préparer la suite de la campagne. Et je pense que je vais cesser l'épisode là. J'aurai pas d'intérêt à poursuivre pour le moment. Donc là, on sera à 39 colonies si j'arrive à refaire la guerre. Donc, mais le problème, c'est qu'il y a lui. Diplomatie. Dommage qu'il n'y ait pas d'agent. Si je lui déclare la guerre, ça fait quoi? Que me vaut votre venue? Donc il me resterait deux tours, ok. Donc on va rapatrier nos hommes tranquillement et se reformer. On va faire du marteau en clume. Par contre, s'il perdait toutes ces... Là, il faudrait que je remonte au nord, récupérer ces villes. Faut pas que j'y pense aussi. Récupérer Selmainek, Aïda, Selkening, Seiger, Agaboe. Ils ont des noms particuliers quand même. Ah, ça y est, il revient. Desmuna, mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas en Irlande, les mecs?
Ma réputation s'accroît. Alors, le gouverneur, là, on va leur donner un boost. Assignons un nouveau gouverneur. Lancier, ouais, je te le dis. On va le mettre à Waterford. Il sera un peu isolé dans la pampa, mais il va pouvoir faire des choses. Donc là, il nous faut encore quelques tours. Donc on a deux lanciers, ouais, c'est pas mal. On a 4 bretteurs, 2 haches, 4 cavaleries en tout. J'essaie de faire des traités avec d'autres, si c'est possible. Bon, lui, je m'en soucie plus, vu qu'il est en Irlande, au Pays de Galles. Non, Breton, on va éviter. Je pense qu'il aura des ennuis. Alors lui, il est neutre avec moi. J'écouterai ce que vous avez à dire. Annonce militaire insultant. La déclaration de l'amitié, on l'avait signée ou pas? Je ne me souviens pas. Bon, lui, on peut s'asseoir dessus, ok. Searson, ils en sont où? On n'avait pas des traités avec eux? J'attends de votre part des propositions honnêtes. Non. C'est un bon. On va faire une déclaration d'amitié, puis voilà, on va s'arrêter là. Niveau diplomatie. Ah là, il s'est fortifié, ok. Waterford, où la garnison, elle a le temps qu'elle revienne, il va nous falloir un peu de temps. 9 tours. Donc c'est pas pour tout de suite. Nous excellons dans la guerre. Et là, il va falloir reformer des troupes aussi. Ok. Un tour et plus un d'ordre public partout. Ok. Donc là, ça va être la fin de la campagne. Enfin, je dis c'est la fin de la campagne, on s'en approche. Je pense que dans 5-6 épisodes, c'est bientôt c'est réglé, je pense, tout ça. Les Nordman se sont fait démonter, ok. On a l'irrigation. Donc plus un d'ordre public partout. Aucune recherche en cours, j'ai compris. Qu'est-ce que je peux développer? Le renom, pour le moment, j'en ai pas besoin. On va améliorer nos archers. Plus de portée, mais c'est mieux c'est. Et je vais former une petite armée. Alors, la petite armée que là, que je vais former à Rat-Crochan, elle servira à prendre des villages. Donc je pense essayer de m'emparer de Saiger. Déjà. Pendant que la grosse armée s'occupera de combattre l'autre armée du Vassalia. De l'autre. Donc là j'ai déjà recruté mes troupes. Qu'est-ce que je peux former? Je vais former deux lanciers Cairn. Deux bretteurs Cobbs. Je peux en former qu'un, ok. Je suis à combien? 400. On va recruter deux archers déjà. Et le reste, ça revient. On espère que mon général ne meurt pas, ça serait bête. Bon, après, il peut mourir à 60 ans, je vais pas lui reprocher. Ah, t'es mort à 60 ans? Non, je suis pas comme ça. C'est impossible. Mais là, on a des améliorations d'équipement. Je vais plutôt booster mes haches. Elles en auront bien besoin. Et je suis même pas sûr qu'on ait assez de puissance pour battre l'autre. Ok. Bon, je vais vous laisser là pour cet épisode 7. Donc vous n'aurez pas eu de bataille, donc on aura avancé dans la conquête du Royaume d'Irlande. On va terminer bientôt ça. Hein. Donc on va récupérer les petits villages ici. Et ensuite on s'occupera du reste de la Bretagne. Donc il faudra juste que je ramène l'armée de 16 encore ici, mais ça devrait être bon je pense. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstein de Total War Coliseum. Et je vous dis au revoir les amis, à la prochaine.